la réaction de Simone. Yvette Gbagbo, l'ex-première dame, au regard justement de cette échéance électorale qui approche désormais à grands pas, Tapé Grobera, vous l'avez écouté. Entre autres, le président Alassane Ouattara, qui n'a pas le droit d'être candidat, il n'avait pas ce droit déjà en 2020, puisque la Constitution à l'époque ne lui permettait pas. Mais entre-temps, il y a eu cette révision constitutionnelle qui, selon les militants du RHDP, a remis les compteurs à zéro. Alors, de quoi doit-on qualifier cette sortie, entre autres, pardon, de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire au regard justement des enjeux? Ouattara n'a pas le droit, mais la Constitution, on le rappelle, permet au président actuel d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Merci, M. Nguémé. Je pense que le docteur Simone Gbagbo et Yves est même gentil. Je dis très gentil. Je dis bien, au regard des textes, aucune candidature de M. Alassane Dramane Ouattara ne devait se faire. Je parle au regard des textes. Pourquoi je le dis? Lorsque M. Alassane Dramane Ouattara crée sa rébellion en 2002 et qu'il y a eu l'accord de Pretoria, M. Alassane Dramane Ouattara, la déclaration du président Laurent Gbagbo à l'époque existe. On dit simplement que c'est pour être candidat aux élections de 2005. Exceptionnellement. C'est là qu'il avait pris l'article 40. Élection de 2005. Et en 2010, il ne devait pas être candidat parce que c'était exceptionnel. Logiquement, si on faisait le parallèle des fautes, le président Gbagbo devait revenir au vu de l'article 40 encore, dit que de manière exceptionnelle, M. Ouattara devait être candidat. Cela n'a pas été fait. Sur le fait de la guerre, et il a fait le coup d'État. Le coup d'État, Nicolas Sarkozy l'a dit dans ce livre. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy à la page 102. Il dit, quand je vois le soin que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire, on a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara, sans aucune polémique, sans rien. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Donc, il y a eu le coup d'État de 2010 qui a installé M. Alassane Dramane Ouattara. En 2015, M. Ouattara ne pouvait pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'arrêt Tiakoné de 2000. L'arrêt, tout le monde peut la trouver, je donne les références. C'est l'arrêt numéro E-001-2000 du 6 octobre 2000. Tout le monde l'a trouvé. Cet arrêt marque l'inéligibilité de l'Alassane Dramane Ouattara. En 2015, pour que M. Ouattara soit candidat, il y avait deux possibilités. La première possibilité, puisqu'il avait le pouvoir déjà après le coup d'État de 2011, c'était d'abroger cette loi. Il ne l'a pas fait. L'autre possibilité, c'était de soumettre l'article 35 de la dite Constitution, qui était en vigueur, au référendum. Il ne l'a pas fait. Il avait tous les pouvoirs, puisqu'il a fait son coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu candidat par dérivation. Ce n'était pas moi, c'est le président du Conseil constitutionnel qui a dit ça. Et tous les juristes ont dit que c'était une nouvelle créance, un néologisme qui était nouveau sur le plan juridique. Quel est le principe? Ils disent que comme il a été déjà candidat, donc il peut être candidat. Voilà comment Alassane Ouattara a été candidat en 2015. Après 2015, lui-même, il crée une nouvelle constitution, la constitution du 8 novembre 2016, dans laquelle vous pouvez vérifier. Le monsieur Bulldozer, qu'on appelle monsieur Cissé Bakongo, juriste, qui était ministre, donc juriste qui donne des cours à l'université de droit, vous tapez, vous allez voir, il a dit que monsieur Alassane Dramane Ouattara, au vu de l'article 55 et l'article 183 de la Constitution, il ne peut pas être candidat en 2020. Ça, c'est monsieur Cissé Bakongo, juriste, qui fait partie de ceux qui ont fait la monture de la Constitution du 8 novembre. Ça, c'est M. Cissé Bakongo. Puisqu'il a été interrogé par un journaliste dont le nom m'échappe, mais je peux trouver, c'était un Français qui est venu, on lui a dit, est-ce que vous pensez que M. Ouattara peut être candidat en 2020? Il dit, ce n'est pas possible. Vous tapez Google, vous tapez Cissé Bakongo, vous allez voir ce qu'il dit. Et en 2020, même le président du... comment on appelle, le ministre de la justice, qui était un juriste aussi, devant les députés de l'Assemblée nationale, quand il était question de modifier cette, enfin
de faire passer cette constitution, il a dit devant les députés qu'on le fait pour la postérité que M. Ouattara peut être candidat en 2020. Vous avez vu ce qui s'est passé, on t'a oublié de couper des têtes, il est devenu candidat. Donc, on peut le dire, je suis content que le docteur Yves Simon le dise, on peut le dire, mais M. Ouattara n'a jamais eu la possibilité d'être honnêtement un candidat élu. Tout ce qu'il fait, c'est du braquage. Donc, vous convenez avec moi que c'est bien qu'on le dénonce, mais Alassane Draman Ouattara, il n'agit que par la violence, comme il a fait les fois précédentes. Mais est-ce que ce braquage que vous évoquez, Tapé Grubéra, complexifie encore un peu plus la situation autour de cette présidentielle à venir? Puisque pour l'heure, on ne sait pas s'il sera candidat pour un autre mandat, qui serait le quatrième, logiquement, au regard du contexte, mais l'un des premiers, selon la nouvelle, du moins la révision constitutionnelle que vous citez d'ailleurs dans vos références. Oui, sur votre chaîne, je l'ai dit et je vais le répéter pour que les gens écoutent, les Africains et les Ivoiriens. Monsieur Alassane Draman Ouattara veut partir du pouvoir en laissant son petit frère, d'aucun parle son fils, comme son successeur. Je le dis, ça fait, je ne sais pas combien, au moins 10 ans que je dis la même chose. Donc, Monsieur Ouattara, ce n'est que ça, pour ça, que même au sein du RHDP, vous voyez du balayage qui se fait. Par exemple, le départ, ça ne m'intéresse pas, mais il vaut mieux le dire, de Monsieur Achille Patrick. C'était ça, parce que Achille Patrick était le gars du MEDEF. Il a commencé parce que Achille Patrick a été ministre depuis 2000 dans le gouvernement de Gbagbo. Donc voilà un gars qui, pendant 23 ans, était ministre jusqu'à devenir premier ministre, commençait à devenir populaire. Il commençait à être un des éléments de la France-Afrique, jeune, apprécié. Ouattara a fait quoi? Il a mis au garage pour le remplacer par monsieur, je ne sais pas, qui fait des exponentiels, comment on appelle, avec la difficulté des Ivoiriens, monsieur Begré Mangbé, pour venir distraire les Ivoiriens. Donc monsieur Ouattara veut laisser le pouvoir à son petit frère Birima Ouattara. Si vous ne voyez pas ça, alors que vous passez à côté. De ce fait, comme M. Ouattara a réussi un petit coup d'État, lorsque le 6 mars 2000, je dis bien 2020, M. Ouattara a dit qu'il ne serait pas candidat, mais il a permis à ce que il demande aux gens de plutôt se concentrer sur ses doigts au lieu de voir la lune qui désignait. Il a dit, je ne serai pas candidat, mais en retour, qu'est-ce qu'il a dit? Que les gens lui permettent, toujours nous sommes dans la période du Covid, pour qu'il puisse modifier la Constitution. Quel était l'objectif? La Constitution du 8 novembre 2016 qui est en vigueur disait que le couple présidentiel, le président et le vice-président qu'il a institué, doit être élu en même temps. Mais depuis le 6 mars, que M. Ouattara a demandé, disant que les députés ne peuvent pas se réunir compte tenu du Covid, de modifier, il a modifié. Le président est élu et c'est lui qui nomme le vice-président. Donc aujourd'hui, Ouattara va faire un candidat en 2025. Il va par tous les moyens tenter de passer, ce que je ne souhaite pas du tout. Mais s'il arrive, il va nommer son petit frère comme vice-président. Ou bien il va laisser le poste vacant. Tout le monde va penser que le poste est vacant. Alors que son petit frère est nommé, il va avoir un décret qui est là, qui est dans les tiroirs. Il y a telle enseigne que si d'aventure lui-même laissait le pouvoir ou quelque chose arrivait, son petit frère allait faire valoir ça devant les éléments. Il est ministre de la Défense, donc il commence ce qu'on appelle ceux qui défendent l'État. Par exemple, chez nous, nos militaires, en Afrique, la plupart des militaires ne cherchent pas à défendre le territoire comme les militaires de l'AES, mais ils cherchent plus qu'à défendre les hommes au pouvoir. Donc, de ce fait, M. Brahima va mettre les militaires qui vont empêcher la population et il va faire la déclaration avec un soutien de ceux que vous connaissez la France. Et de ce fait, M. Brahima va commencer à prendre un certain nombre de mesures. Les gens vont dire, bon, il est plus gentil que Ouattara et ainsi de suite, il va venir faire 2 mandats puisqu'il vient de nouvellement. Donc, il faut comprendre la logique de M. Ouattara, c'est de faire de telle sorte que son petit frère le succède ou bien son... Bon, je vais en rester au terme puisque son petit frère le succède. Donc, il va utiliser tous les moyens pour pouvoir passer. Voilà ce qu'il faut retenir.